Bienvenue pour cette vidéo d'un nouveau modpack solo cette fois-ci. Alors pourquoi ceci? Bah tout simplement LTP est en live, d'habitude, hein, d'habitude, non même souvent, bah toujours en fait. Toujours en live et du coup je me suis dit ça manque un petit peu de contenu hormis Galactic Science avec Pierre, on arrive près de la fin. C'est pas vraiment très joyeux non plus de continuer. Il y a Space Astro que j'essaye de booster Monsieur Redix pour qu'on fasse enfin le dernier épisode dessus, mais vous inquiétez pas, le serveur est toujours pas mort, il y a toujours un map, il y a toujours tout ce qu'il faut. Du coup je me suis dit tiens je vais lancer ce pack, il m'a l'air bien, il m'a l'air un petit peu de tout, technologie, magie et autres. Je l'ai connu en version 0.2.0, ouais ça donne ça, et là récemment bah, c'est la version 0.3.0. Donc du coup, voilà, bon c'est toujours un 7-10, hein. Il n'y a pas de pack encore officiellement avec magie et autres, hormis Tomcraft qui est en version 5, mais c'est 1.8.9. Mais sinon d'autres modes ils n'en sont pas encore forcément à jour. Puis il y a 1.9 qui arrive, donc du coup, est-ce qu'il va y avoir des packs à 1.9, ce genre de choses? Je pense que oui, mais il va falloir attendre un peu, sachant que la 1.9 est assez, comment dire, assez fraîche. Donc du coup, voilà. Alors, sur ce pack-là, il va compter évidemment une bonne cinquantaine d'épisodes, une bonne série dessus. J'espère que vous serez nombreux à la suivre. Si ça ne suit pas forcément les vues derrière, bah j'arrêterai, je ferai peut-être autre chose, je verrai. Mais en tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Donc, je vais essayer de me tenir en sorte que vous ayez deux épisodes par semaine sur ce pack. Un petit peu comme Galactic Science, mais moi-même. Voilà. Donc du coup, serveur local, pour l'instant, parce que je n'ai pas le... J'arrive pas à faire démarrer le pack sur un serveur, il crash. Code Chicken Lib, on ne comprend pas pourquoi. Mais c'est pas grave, donc du coup, je l'ai mis en local. Donc, on va le join, je ne sais pas du tout quoi et comment la map. C'est la première fois que je vais la générer. La preuve, hein, expert live, je viens de me connecter. Il y a Miscraft, il y a beaucoup de mods, ça se voit que ça génère un peu, ça se voit même beaucoup que ça génère d'ailleurs. Je vérifie juste mes touches, oh bah, j'étais en shit mais c'est pas grave. Alors j'ai pas ma touche de Kain Binding, voilà. Et ceci, tac tac, voilà, parce que sinon je déteste absolument tout. Alors nous avons Open Block, on s'en fout un peu. On a Tinker que je vais garder naturellement. On a les quêtes, on a des torches. Et on a ça qui nous donne je crois un truc assez cool. J'ai rajouté quelques modes, hein, j'ai rajouté quelques modes par-dessus. Qui est super intéressant. Voilà, et puis sinon on a Tinker, on a tout ce qu'il faut. Alors, au niveau de ça. Dessus il y a Project E, hein, il y a tout ceci. Donc on va directement aller ici. Alors ici c'est quel genre de biome? Mountain. Ok, donc ok, très bien, j'ai pas mis touche. J. Ouais c'est J. Option. Non. C'est les options globales en fait. Ok, il y a pas mal de... qui a changé d'ailleurs, parce que j'avais pas tout ça au début. Dans Inventory, je m'en fous royalement. Je recherche juste des petites choses. In, out. Ça, je m'en tape, ça, je m'en tape. Ça, je m'en tape aussi. B, B. Et normalement, tout est correct. Ouais. J'ai rajouté quelques modes, voilà, c'est vraiment le truc le plus mini. Alors par contre, on me dit qu'il y a des zombies en face. Effectivement, il y a des zombies en face. Mais on va partir ailleurs. Alors du coup, c'est une belle map qui est actuellement ici. C'est une... on va dire, c'est vraiment taïga et rubber. Il y a des loups, il y a des trucs sympas. Peut-être que je vais rester dans le coin, je ne sais pas. Render, je vais mettre en plus 6. 70 frames. 60. Voilà, tranquillement. Donc c'est assez sympa. Le pack il est certes en bêta, mais je pense plutôt pas mal. C'est quoi là-haut? Ah d'accord, c'est un cochon.
Très bien, donc on arrive près d'une berge au niveau du sable et autres, donc je pense que je vais y rester. Ça peut être pas mal. Allez, mes cochons. Tranquillement. Hop. Donc en tout cas, j'espère que le pack va vous plaire. Déjà que moi, ça va plutôt bien. Moi, il y a une grosse hache, le machin. Donc bon. Hop. On a ça, on a des poules. Alors, on a pas mal de choses. Je pense que je vais plus m'installer. Je sais pas trop où encore, parce que je ne sais pas trop où est-ce que je pourrais m'installer convenablement. Sachant que par là-bas, on a un truc bizarre par là-bas. Hop, bon, enfin bref. On va du coup commencer un petit peu les belles choses. Ça veut dire qu'on va commencer à déjà récolter un peu de bois, ce genre de choses. Mais je voudrais bien savoir ce qu'il y a éventuellement là-bas. Parce qu'il y a une belle petite zone qui m'intéresse. Et du coup, bah, getting wood, hein, naturellement. Ah oui, il y a surtout le mode qui permet de faire dépop les armes très rapidement, donc ça c'est plutôt un bon point. Bah pour moi en tout cas. Hop, on va juste faire notre première table de craft. Moi je vais la mettre directement en tinker. On va faire notre petit bateau et on va directement aller. Ah c'est tout? Bon, il y a l'air quand même d'avoir un petit truc, donc bon. Ah oui, c'est pas si loin que ça en fait, hein. Je pensais que c'était nettement plus loin. Donc on a tout ça, super beau. On a une node là-bas. Oh ça va, ça a l'air plutôt sympa comme région d'ailleurs. Hop, je récupère mon bateau. Donc il y a des vaches, il y a tout ça, il y a le soleil d'ailleurs, le soleil je pense qu'on a démarré quand il était midi. Alors elle me dit qu'il y a une petite bête par ici. Elle doit être en dessous. Donc bon, c'est plutôt sympa. Il y a pas mal de petits coins tranquillement ici. Salut les vaches. Oh, on va dire on a un petit biome plutôt tranquille. Tiens, on a de la canne à sucre ici. On pourrait se faire notre petite base dans le coin hein, d'ailleurs. Prendre ça. Bon, enfin bref. On va ouvrir du coup notre première quête. Magical 3. Qui fait que ben, nous avons besoin de Tinker Construct pour démarrer. Ok, très bien. Le truc, il vient de se charger devant ma tronche. Très très bien, très très bien. Naturellement, le pack, il sera pas que en local. À un moment, je le ferai bouger pour qu'il aille directement en mode multi. Multi, je veux dire, sur un serveur complètement dédié pour ça. Ah d'accord. La neige qui retombe. Comme ça, je vais pouvoir jouer sans trop de freeze. Parce que la génération de la meuf fait que ça peut faire pas mal laguer. Mais bon, pour l'instant, c'est vraiment mineur. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout simplement. Là, bah déjà, il va faire nuit. Oh là. Ça se voit qu'il y a les baisses de frame par moment. Hein. Ça se voit très très bien. Il fait tout nuit en plus. Voilà. C'est vrai qu'il fait super beau hein, la nuit. Hein. Je pense que vous n'y voyez rien du tout. J'aimerais bien quand même pour m'installer là-bas parce que ici il y a peut-être un peu trop de choses qui pourraient être mauvais. Comme lui, tiens, par exemple. Lui, tu vois, je vais pas trop m'approcher parce que je sais qu'il peut me mettre une douille. Assez facilement. Donc du coup, je vais me barrer. Et là, nous avons des zombies. Salut. Alors, c'est la merde. C'est la merde, terrible merde. Salut. Oui, je suis d'accord, les vaches. Salut, Creeper, je t'ai pas vu. Salut, le squelette.
Apprends à viser. C'est très la merde. C'est très la merde. Nous avons des pinguins, nous avons des araignées. Oh, nous avons un donjon par ici, tiens. Oui, on a Runic Dungeon aussi qui est pas mal comme mode. Qui est plutôt sympa. Voilà. Donc du coup, on va peut-être s'installer là-dedans. Ça peut être plutôt un bon point. On va essayer de boucher toutes les entrées-sorties de X blocs. Voilà. Puis on va monter du coup. Donc. Hop, on va monter. On va même monter correctement. On va venir ici. Voilà. Bon, bah, en tout cas, ici, déjà, il fait jour. Donc c'est plutôt un bon point. Wesh les mecs. Tranquille, ça baise, ouais, tranquillou. L'araignée qui est en train de sauter, hein, naturellement. Donc, en tout cas, on a pas mal de mobs. On a toujours les villages, là. Et on a toujours un petit point pour sauter. Donc ça, c'est plutôt bien. On peut se mettre là, réellement. Et puis, quitte à faire en sorte que le donjon qui soit en dessous de nous arrive à faire en sorte que... C'est quoi ce qu'il y a là-bas? What the fuck? Je sais pas ce que c'est. Mais je sais que depuis qu'il a remis des mods, qu'il a upgrade le pack, c'est complètement buggé. Alors je sais pas si c'est un bug visuel ou quoi. On dirait qu'il prend des dégâts. Mais je sais pas pourquoi il... Bon tant pis, c'est peut-être un bug d'un mod. Bon, du coup. Hop, le petit table de craft, on va se faire les premiers outils de Tinker. Hop, tiens, on va se faire même un coffre. Un coffre, c'est toujours bien. On va mettre notre petit point ici qui est le home. Voilà, un petit point avec un petit beacon super beau. Nous allons prendre ceci. Voilà, une planche, ceci pour faire une stencil table, qui nous donne les matériaux. Et ça, bah ça on s'en fout. Tac 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 tac, ça je récupère et ça aussi. Je fais en sorte aussi que qu'on ait un coffre avec ceci, ça nous donne le coffre en question. Il nous faut une table de craft avec ceci sur le toit. Ça fait une tool station. Donc on va se mettre là. Tac, tac. Ça va, c'est pas trop mortel ici, donc c'est plutôt sympa. Voilà. C'est pour tout simplement éviter de tomber. Et puis la lune est au milieu, donc ça va, c'est plutôt cool. Ça passe plutôt vite. Et la dernière que je m'en rappelle jamais, c'est une bûche avec le truc. Cependant, la bûche, bah, pour l'instant, t'iras bien te faire mettre. Parce que je ne retournerai pas dehors tant qu'il y a des mobs. S'il fait jour, ok, mais c'est tout. Et encore, il y a des gros mobs méchants là-bas. Parce qu'il me faudrait en fait la petite table qui me permettra d'obtenir ce que je veux. Donc, on a le bâton. On a ceci et on a la tête de pioche qui va être intéressant. Mais également, il nous faudrait une petite épée qui peut être plutôt intéressant ou une mattock et une pelle. Ce qu'on pourrait faire éventuellement, puisqu'il y a certains crafts, je pense qu'ils ne sont pas du tout possibles. Voilà, comme cela, en fait, tous les outils de normaux ne peuvent être crafté. C'est Tinker qui enlève ce système configurable naturellement, qui nous permet en fait de forcer l'utilisation de notre ami Monsieur Tinker. Donc du coup, il fait que on est obligé de faire ceci. Bon, la nuit, le jour, c'est quand tu veux. Oh, on a un gros Greatwood là-bas. Alors, vous voyez, le zombie, en fait, ne peut absolument pas venir parce que j'ai bloqué tout ce qu'il y avait en bas.
Alors, du coup, ça c'est bien beau, mais du coup, au niveau de la sword. Ok, ding, très bien. Il y a une dimension qui s'est unloadée, très bien. La dimension moins 2 millions, moins 21 millions, 474 000, 336, 480. Très bien. Et il y a un con qui vient de se noyer. Ok, très bien, c'est magnifique. C'est magnifique la vie de Minecraft. Alors, il y a beaucoup de zombies. Je t'avouerai que je ne suis pas très rassuré. Mais voilà, c'est des zombies qui ne peuvent pas venir sur moi. Donc du coup, je suis rassuré d'un autre côté. Ah voilà, ça c'est un concombre. Qui est pas craftable, mais qui est super sympa à utiliser. Donc, eh bah, je pense qu'on va se faire une matoque aussi. Parce qu'une matoque, ça peut être bien, ça peut faire une puissance au niveau de l'épée, ce genre de choses. La rapière est pas mal aussi, la rapière. Mais je pense que je vais utiliser la matoque. Du log, ok, et du gravier. Ah, il nous demande 6 de gravier. Oh! Oh, c'est cool. Hop, il m'en faudrait 3 de plus. Voilà, plus que 2. Ah oui, maintenant je sors comment moi? Je suis con. Ah bah piquons tout ça. Piquons, piquons, piquons. Voilà. Et celui-ci. Voilà. Donc je pense qu'au niveau de la quête, là actuellement, je suis tranquille. Voilà. Et il nous demande ensuite d'avoir du flint. Bon, bah je pense que ça, on fait ça. Voilà, j'ai un flint, youpi. Hop, et on peut claim. Ensuite, il nous demande une sentinel table. Il est con parce que j'en avais une. Manuel détecte. Ah, pourtant, sentinel table, je l'ai faite, quoi. Ouais, je l'ai faite, hein. C'est la porte builder qui est pas faite, certes, mais moi je sais très bien que je l'ai faite. Donc bon. C'est un peu buggé tout ça. Tiens, je vais faire un autre ça. Tac. Au pire, la Stencil Table, si c'est que ça, moi j'en refais une, hein, y a pas de souci, hein, mais. Voilà. Sentinel Table en fait il me dit que toujours pas. Donc du coup c'est un petit truc qui est complètement buggé. Encore une fois bien sûr. Donc bon. On va aller chercher un petit peu ce qu'il faut. Je préfère nettement mieux la map voxel moi personnellement comparé à celle-là. Mais bon, il va falloir faire ce qu'il faut. Donc, je vais aller chercher ce qu'il faut là en dessous. Voilà. L'avantage, c'est que je peux du coup peut-être sauter à partir d'ici. Ouais. Ouais, c'est cool ça. Hop. Voilà. On va mettre des petites torches pour indiquer notre chemin de retour. Salut les vaches. Alors du coup on va récolter notre petit bois. On va se faire la petite table aussi. Voilà. Comme ça je peux faire tout ce qu'il faut. Je vais récolter aussi un petit peu de grâce. Ah, nous avons un trou pour descendre. Ça, c'est plutôt intéressant, tiens. Donc, à faire attention ici. Voilà. Merde. Même ça, j'arrive pas à remonter. Donc, du coup, nous faudrait un petit point d'accès plutôt sympa à monter. Par ici, ouais. Je le verrai bien.
Voilà. Bon, évidemment, hein, si c'était pas drôle, hein, ça se le ferait pas. Voilà. Hop, alors du coup, un petit coffre qui va bien. Putain, et j'ai été chercher le boulet. J'ai été chercher une bûche, j'utilise toute la bûche. Boulet. Boulet. Allez, rechercher juste une bûche. Ah là 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 là. Voilà. Voilà, porte-buldeur. T'es sérieux qu'il veut faire un porte-buldeur en oak? Je suis sûr qu'il veut en fait un porte-buldeur depuis tout à l'heure en oak. Donc je vais te faire un porte-buldeur en oak si tu veux. Voilà, allez, compte. Ok, parce qu'il veut que ça soit une plaque normale. Okay. Voilà, stainless steel table, du flint ou une copper. On va prendre du flint, parce que le copper, je m'en tape un peu pour l'instant. Alors, j'ai la crafting, alors j'ai le porte-buteur. Ça, la stainless steel, là. Voilà. Donc, on va re-rentrer du coup. Cette fois-ci. Pour moi, c'est bien, moi je me suis fait mon petit chemin d'accès privilégié. Hop. Pour éviter de se casser la gueule aussi. Ça on s'en fout, ça on s'en fout. La porte builder, bah du coup je l'ai. Voilà. Comme ça j'ai un accès direct. Et j'ai un basique. Wow. Wow. Long crate. Oh yeah. Ah cool, un géant coffre. Un très beau coffre. Toujours mieux que ça en tout cas. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais planter mon premier sapling. On a de flint, on a tout ce qu'il faut. Et on va pouvoir faire ses premiers outils en flint, naturellement. Flint, flint, flint. Ok. Bon, bah ça, c'est pas trop compliqué. Flint, voilà. J'ai ma flint là. Cependant, j'étais en train de chercher du coup. Pour faire une pelle et une axe. Les deux en flint, naturellement. Et on va faire ceci en mode. En véritable pickaxe. Alors, forcément, c'est du bois. Stick, stick. Wooden stick, wooden stick. Donc ça c'est pour la pioche, une tête de flint et il me refaudrait ceci pour cela. Du coup, je peux te l'aimer. D'accord, ça m'a donné une flûte sword. Donc ça va, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa, je pourrais me faire du coup ma flint, ma hache de flint, sandsteel, tool station. Pourquoi j'en ai deux? Ah oui, c'est vrai. Ouais, qu'il y en a une qui sert absolument à rien. Alors ceci, du coup, je vais pouvoir me faire ma petite cocotte en mattock. Je vais pouvoir me faire ma petite pioche. Tac, tac et tac. Et je voulais pouvoir faire ma petite sword. Ma flint sword blade. Cependant, une rapière. La rapière est plutôt pas mal en même temps. Ou la longue sword. Je vais prendre ça, donc il me faut la petite mon petit truc comme ceci qui se trouve là. Je mets là-dedans. Forcément, je peux pas l'avoir, donc je mets non non plus. Comment je peux l'avoir? De la stone, iron, ok, de la stone. Ah, on peut l'avoir en stone. Bah tu me pètes le fion. Donc pour l'instant, je vais pas te faire, tu vois.
J'irai te faire plus tard quand tu seras calmé. Wooden Tool Rod. Alors, je vais garder du bois sur moi, je vais garder du flint. Je vais garder ça. Ça, je prends pour me régénérer. Et voilà. Donc, du coup, maintenant, il nous demande d'aller chercher de la clay, du sable et du gravier. Je suppose 64 également. Ouais. Donc, du coup, ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, les petits, c'est tout simplement. Moi, je vais vous laisser là. Pour ce premier épisode, en fait, le temps que j'aille récolter tout ça en off, je vous retrouve du coup prochainement. Parce qu'il y a du sable, il y a du gravier un petit peu plus lointain, j'irai faire tout ce qu'il faut. Et du coup, dites-moi ce que la série vous plaît ou pas. En fonction de ça, du coup, vous aurez peut-être un deuxième épisode ou non. Voilà. Sur ce, bisous tout le monde. Oh, des moutons. Et puis, bah, à la prochaine. Coucou le sapling. Coucou, salut.